Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un coffret Pokémon juste magnifique et assez vieux. C'est un coffret Pokémon diamant et perle ou plutôt une petite valisette diamant et perle contenant 4 boosters et une carte promotionnelle. C'est un coffret qui est vraiment très rare et qui commence à côté pas mal en scellé mais j'ai décidé de vous l'ouvrir aujourd'hui parce que euh, déjà j'ai fait une très très bonne affaire donc du coup euh, je ne regrette pas du tout de l'ouvrir vu que je l'ai payé presque rien et en plus de ça j'adore les extensions de Diamants et Perles, vous le savez, et j'adore partager avec vous euh, mes ouvertures de booster. C'est vraiment euh, quand j'ai commencé l'extension sur laquelle euh, j ai, j ai, je me concentrais le plus sur ma collection et celle que j'ai le mieux, euh, une de celles que j'ai le mieux complétée en tout cas. Et donc voilà, je voulais vraiment partager cette ouverture avec vous, c'est vraiment un coffret très très rare et euh, bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup, euh, ma voix va un peu mieux comme vous pouvez euh, l'entendre, mais c'est encore un petit peu... Euh... Un petit peu... Euh, je suis encore un petit peu malade. Donc, du coup, on va voir tout de suite ce coffret. Ici, nous avons un Palkia. Juste là, un Régigigas. C'est vraiment un magnifique coffret. Et de l'autre côté, nous avons un... Euh euh, un un... Ratina je vais y arriver, et un euh, Dialga. Voilà, donc c'est vraiment un sublime coffret. Je vous montre aussi les côtés. Donc là, il y a juste écrit ce que ça contient euh, de ce côté-ci. Et là, il y a un Pangoléon. Ici, on a les énergies, la petite, euh, la petite anse de la valisette. Et sur le derrière, il y a écrit euh, voilà qu'il y a 4 boosters et la carte Manafi. Très très sympa. Donc on va découvrir tout ça. Et c'est un coffret qui date de 2009. Donc ça fait maintenant 7 euh, ans que ce coffret est sorti. Et franchement, je suis vraiment super, super contente euh, de pouvoir bah, vous l'ouvrir aujourd'hui. Donc du coup, c'est parti, on s'ouvre ça. Hop, donc je décèle le plastique. Donc j'ai trouvé ce coffret il y a pas mal de temps maintenant euh, dans un magasin de jouets. Voilà, c'était un magasin de jouets. Il lui, restait, euh, il lui restait deux coffrets, exactement. Donc du coup, on y allait avec David et on a pris chacun un coffret. Et d'ailleurs, David vous a ouvert ce coffret à l'époque euh, pour ses 20 000 abonnés. Donc euh, ça fait assez longtemps qu'on a ces coffrets quand même. Et du coup, eh bien moi, je l'avais toujours gardé euh, en me disant, bah, peut-être qu'un jour, je ferai une ouverture moi aussi. Et voilà, le jour est arrivé. Donc euh, bah, j'espère que ça vous plaira. Le, le coffret est vraiment sublime. J'espère qu'on va avoir une belle pioche aussi au niveau des boosters. Donc on ouvre ça, c'est parti, hop Super, d'ailleurs n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes content que j'ouvre ce genre de booster qui commence vraiment à tous devenir rares, euh, même diamant et Perles commencent à coter pas mal. Chaque booster euh, commence à avoir une petite... Euh, à avoir son petit prix. Donc c'est un peu dommage parce que du coup bah, on, peut plus, euh, on peut plus ouvrir euh, les boosters comme on aurait envie. Euh, moi je suis très contente parce que fin, du coup j'ai déjà tout ouvert avant que ça prenne de la cote Donc euh, moi j'ai mes collections mais c'est vrai que c'est pas très facile pour quelqu'un qui commence la collection de collectionner cette extension, ses extensions donc le bloc diamant et perles. Donc on commence tout de suite avec la carte Manafi holographique, donc c'est une promo c'est une carte de Pop 9 malgré tout cette extension n'est jamais sortie en français, en réalité c'est juste les cartes en fait qui ont été rééditées en français mais Pop 9 n'est jamais sortie en français, ils sont arrêtés à Pop 4 de sortir les extensions en français et ensuite voici les 4 boosters, donc du coup nous avons un aube majestueuse avec l'illustration de Hippodocus nous avons un diamant et perles duel au sommet c'est le booster le plus rare euh, des 4 que nous avons aujourd'hui avec l'illustration de Darkrai, un booster éveil des légendes avec l'illustration de euh, Rhinoféros, je crois que c'est ça, non, euh, je sais plus, je sais plus, euh, je ne sais pas du tout Rhinoféros, Stock. je crois que c'est ça, et on finit avec un euh, tempête, Diamant et perles donc avec Signabras, donc ça c'est euh, le moins rare, le tempête, et le plus rare c'est euh, le Diamant et Perle, du Sommet. Du coup, on va commencer par le moins rare, ensuite je dirais euh, que ça va être Éveil des légendes aux majestueuses, voilà. Ça c'est l'ordre de, de, des extensions du, du moins rare au plus rare, du coup on va faire comme ça, on finira par le meilleur, voilà, et du coup c'est parti pour l'ouverture. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir, je compte vraiment sur vous pour commenter, pour liker et tout, parce que c'est vraiment une très 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 belle ouverture que je vous fais là. Voilà, je ne fais pas ça pour un cap d'abonnés parce que j'estime que c'est pas assez euh, rare pour faire ça pour un cap d'abonnés, mais... Euh... Mais c'est quand même très très joli. Voilà. Pour mes 20 000 abonnés, j'aurais pu faire ça en réalité, comme David. Mais bon, là maintenant, c'est plus euh, c'est plus quelque chose qui est à la hauteur euh, du nombre d'abonnés que, que je peux avoir. Donc du coup, c'est parti tout de suite avec le booster tempête. Allez, faut ouvrir. Euh, je vous avoue que maintenant, enfin, ouvrir ce genre de booster là, c'est vraiment quelque chose pour moi. Euh, avant, j'en ai vraiment ouvert énormément. Maintenant, euh, c'est vrai que vu la la valeur que prend les boosters, c'est c'est on se dit ah là là quand même. Euh, c'est un petit bout hein, un petit bout de un petit bout de, de un petit bout d'or on va dire quelque chose comme ça allez c'est parti tout de suite avec le premier booster avec euh, une traîneur potion un magikarp donc voilà ça ça va vraiment vous faire découvrir les, extensions de, les, les illustrations des extensions diamant et perles magnifique euh, illustration un rapion ok ensuite arco très très joli nous avons un Skelenox, super alors j'ai déjà pratiquement tout hein je le tempête je crois que j'ai tout hein. il me semble que j'ai tout à tempête et crémeux Très sympa, ok. Ensuite, Pokécoup Plus, ok, très sympa aussi à, à l'époque, j'aime bien, et d'ailleurs c'est assez triste parce que maintenant ils font plus de traîneurs avec des Pokémon comme ça, euh, sauf euh, les liens spirituels, mais bon, c'est pas pareil. Là c'est vraiment euh, j'aime bien l'illustration, quoi, c'est vraiment sympa. Spectrum, très très commune cette peu commune. Ensuite, la reverse, il s'agit d'un électrode. c'est une peu commune reverse. Et nous aurons un octunoir holographique, super Super. Il faut savoir que dans ces extensions-là, diamants et perles, il y a très très peu d'ultra rares et euh, pour en avoir une, il faut vraiment avoir beaucoup beaucoup de chance. En l'occurrence, avoir une holographique, c'est déjà très très bien, c'est déjà une très bonne pioche. Et là, nous avons le nocturnoir, qui est vraiment une magnifique carte. Je vous montre ça de plus près. Elle est vraiment sublime. C'est vraiment mon truc, ces extensions-là, Diamant et perles et tout. Autant j'aime beaucoup vous ouvrir du XY et avoir des nouvelles cartes, mais Diamant et perles ça me rappelle... C'est vraiment la nostalgie pour moi, Diamant et perles Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de quand j'ai commencé la collection, même avant de connaître David et tout. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment la nostalgie, quoi. Allez, on est reparti avec le deuxième booster de Marie Perle, Aube Majestueuse, cette fois-ci. Donc, Aube Majestueuse, c'est vraiment une magnifique euh, série. Moi, j'aime énormément la série Aube Majestueuse. Euh, Éveil des légendes, juste après, euh, que je vais vous ouvrir aussi, est une série magnifique. Euh, les illustrations, parfois, sont... sont à couper le souffle. On est reparti avec un Wistikram, très joli. Cap humain, super. Donc là, un illustrateur très, très original. Très sympa, avec un coup de crayon vraiment bien marqué. Sans coquille, ok. Fossile notile, bon ça c'est pas très intéressant. Evoli, d'accord, une petite commune. Zarbi euh, Q, du coup. J'ai toujours eu du mal à lire le, les Zarbi et du coup une petite, un, une petite indication pour vous aider. En fait c'est la, la première lettre qui est juste là du Poké Power qui vous indique euh, le, le la lettre du Zarbi, voilà tout simplement. Là je trouve que c'est pas écrit euh, vraiment. Euh... Explicitement. Ensuite, nous avons super rappel, encore une fois avec un petit Pokémon, Rapace de pique, très 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 facile à trouver, celle-ci aussi. Un moufouette en commune river, c'est oui des petits Pokémon de diamant et perle qu'on n'a pas vu depuis longtemps d'ailleurs. Et nous avons Aquali en rare, très très jolie rare. Elle est très jolie. bah autant avoir une rare, autant avoir un, une évolution. Hein, vous le savez, moi j'adore ça. Donc euh, bah écoutez, moi je suis très contente. Elle est très jolie celle-ci aussi. Hein. L'illustration est vraiment magnifique, ce petit Aquali dans l'eau, sublime. Tous les fans d'Aquali seront ravis à mon avis, ou tous les fans des évolutions en général. Très très sympa, super, très bonne pioche je trouve pour Duo Majestueuse. Ensuite nous avons le booster Éveil des Légendes. Je prends mon temps, hein. vous aurez compris, ce n'est pas des boosters XY qui n'ont pas énormément de valeur au niveau du scellé. Là c'est vraiment des boosters qui ont encore de la valeur et qu'on ne voit pas tous les jours, donc j'en profite. Lilia. Très joli. Ah, Éveil des légendes, je crois que c'est vraiment mon, mon extension préférée. Les illustrations sont tellement belles. Regardez-moi ça, Spunk. Très joli. Toutes les illustrations sont, sont géniales. Lupio. Il y a 146 cartes, donc il y a vraiment... Euh, faut être chaud si tu veux compléter, un. Hein. Starry. Moi, j'ai presque tout. À chaque fois, il manque peut-être euh, soit rien. Tempête, il manque rien. Soit une ou deux cartes. Euh, des holos, des trucs comme ça. Mediena. Ok. Très joli. Ensuite... Machine Technique TS2, ok, <laughs> pourquoi pas, Beaudri euh, Gros Drift, pardon, ok, avec des petits nuages euh, sombres cette fois-ci, Morpheo, il y a plusieurs Morpheos dans cette série, il y a aussi Morphéo euh, Soleil et Morphéo Neige, non, Morphéo Mor Pluie, je crois, donc là, on a le Morphéo Normal. Ensuite, un Rafflesia, c'est une bonne pioche, c'est une rare, cette carte, donc là, nous avons cette carte en Rare River, c'est une excellente pioche, super Ok, très très, elle est belle, hein? elle est très jolie, hein? j'aime beaucoup. Le raflésail est assez sombre, mais ça donne vraiment du charme à la carte. Et nous avons Yann Mega holographique. Ah, super, encore une holographique. On a vraiment de la chance. Encore une holographique, très très jolie celle-là. Ce Yann Mega est vraiment sublime. Hein? Waouh, ok. Très 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 jolie carte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que comme le fond est très très noir, si vous voulez, bleu, bleu noir, bleu nuit, si vous voulez, euh, l'holographisme ressort vraiment super bien et j'adore. Je suis totalement fan. Et Yann Mega, encore une fois, c'est un Pokémon qu'on voit plus du tout. Euh, la plupart du temps, les Pokémon qui ont été euh, dans Diamant et Perle, pas tous, hein, bien entendu, mais beaucoup de Pokémon présents dans les extensions de Diamant et Perle, donc qui ont été créés au niveau de la génération de Diamant et Pearl, ne sont pas revenus par la suite dans les nouvelles extensions, peut-être parce qu'ils n'étaient pas appréciés ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on les voit plus beaucoup. Et là, on ouvre le dernier booster, le Duel au Sommet. Donc, pour vous donner une idée euh, de cote. Pour ces boosters-là, euh, moi, je n'achèterais pas ce booster-là à plus de 8 euros. Après, euh, on peut en trouver à entre 10 et 15 euros à la vente. Voilà, donc c'est vraiment des boosters qui commencent à prendre vraiment de la valeur. Euh, des gens en achètent même à ce prix-là, même si moi, je n'en achèterais jamais entre, euh, à 15 euros, par exemple. Je trouve ça beaucoup trop cher. Mais euh, voilà, si vous avez l'occasion de trouver ces boosters euh, à moins de 8 euros, même moins de 7 euros, je dirais, euh, c'est une, une affaire pas mal, je trouve. Voilà, euh, à vous gepi donc là on est sur des illustrations beaucoup plus euh, officielles avec beaucoup de Kensugi Mori dans cette extension, euh, moins jolie je trouve que éveil des Légendes par exemple, mais euh, ça a son charme et c'est assez rare, voilà. Barpo, donc à chaque fois il y a des niveaux X, hein. les ultra rares sont des niveaux X, euh, après euh, c'est vraiment très rare à avoir donc je ne suis pas persuadée de pouvoir vous en montrer une aujourd'hui, mais j'en ai pas mal que j'ai acheté pour la plupart parce que les avoir en booster c'est vraiment très, dur très difficile. Limagma, Cacnea. Très sympa. Ah, celle-là est vraiment jolie, j'aime bien. Mangriffe. ok. Très très sympa. cas d'oiseau, j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup cas d'oiseau. Je ne sais pas pourquoi c'est un Pokémon, je le trouve trop trop cool. Ok. Crisacier. Le Pokémon cocon. <laughs> La River c'est un sac de nœuds, c'est une commune rivers donc pourquoi pas, pas mal. On peut faire mieux, mais c'est pas mal. Et nous avons un boule de nœud holographique. Eh bien, écoutez, trois holographiques sur quatre boosters, on a vraiment eu une superbe pioche. Regardez-moi ce boule de nœud holographique, super. Et bien, écoutez, très très contente de la pioche. J'avais totalement oublié l'existence de cette carte, donc ça me fait super plaisir de la piocher pour me rappeler et pouvoir vous la montrer tout simplement. C'est vraiment au top, super. Très 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 jolie carte. Et eh bah ben, du coup, on a vraiment une super bonne pioche. Je vous montre rapidement ce qu'on a eu. Donc du coup, on a eu trois cartes holographiques. Donc Yann Mega, boule de Nœud et Nocturne Noir, Voilà, donc trois très jolies holographiques. Super. On a aussi eu euh, Aquali en rare qui est très très belle. Et aussi un Raflesia en rare reverse. Donc tout ça ça compte hein, pour les extensions diamants et perles, ça se fait rare. Donc euh, les rares et les holos, euh, même les rares et les holos sont des cartes qu'on aime et qu'on veut absolument avoir. Voilà. Donc j'espère vraiment en tout cas que cette ouverture de coffret diamants et perles très très rare vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé à l'ouvrir. Je pense que ça s'est ressenti, mais j'adore, j'adore ce genre de coffret. C'est vraiment mon truc. Et en plus de ça, du diamant et perles, que demander de mieux Donc voilà, maintenant je n'ai plus ce coffret scellé dans ma collection. Donc bon, bah. C'est pas grave, c'est pas grave, peut-être que je retrouverai un un jour, je l'espère, en tout cas ça me fait une belle ouverture sur ma chaîne pour moi et pour vous, donc euh, c'est encore mieux je dirais. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres ouvertures euh, de ce type un petit peu euh, nostalgique, Diamant et Perle ou euh, d'autres extensions encore plus rares. Dites-moi ça euh, aussi en commentaire, euh, des extensions en particulier que vous voulez que j'ouvre ou des coffrets en particulier, pourquoi pas. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt